l'organisation s'appelle Reef Conservation Mauritius. C'est une organisation qui est créée en 2004 par un biologiste marin, Yann Watt. Et c'est une organisation qui travaille dans la protection et la conservation de l'environnement marin. Comme le nom est lié, Reef Conservation, doit essayer de protéger le récif corallien et l'environnement marin de manière générale. En 2004, il y a plusieurs dimuns qui commencent à poser la question sur la dégradation de l'environnement marin en Maurice. Je me dis comme ça, mais qui est-ce capable de faire? À l'époque, je me dis à autres, mais pourquoi pas monter un ONG pour essayer d'amener les citoyens mauriciens comment on comprend la problématique environnementale qui est liée au lagon mauricien. C'est pour ça que l'ONG a été créée, pour essayer d'amener le maximum d'immunes comprend qui fait besoin de protéger les amis. Dans Reef Conservation Mauritius, nous avons environ 70 membres qui font partie de l'organisation. Reef Conservation, c'est une organisation qui est un personnel assez important pour une ONG. Nous avons 11 immunes qui travaillent pour nous à plein temps. Et nous avons plusieurs membres. Nous avons des membres qui forment le comité exécutif. Après, nous avons des membres qui participent financièrement. Mais pour vraiment faire tourner l'ONG, nous avons surtout financement du GEF, SGP de la UNDP. Après, nous avons aussi des financements qui viennent depuis le secteur privé. Et un affaire qu'il ne faut pas oublier aussi, nous avons un financement qui vient depuis l'Union européenne sur différents projets. À la base, quand on commence un travail au niveau de l'environnement marin, on commence avec un projet de fixed mooring buoys. C'est-à-dire, c'est un projet de bouée d'amarrage pour un bateau, la zone snorkeling et de plongée. La zone de plongée et de snorkeling, quand un bateau a un client dans cette zone-là, c'est l'angle. Quand c'est l'angle, il casse le corail. Et le corail, c'est une espèce vivante, c'est une créature marine vivante qui prend énormément les temps à grandir. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre ce projet bouée-là. Pour qu'il y ait des gens qui ont fait cette activité-là, qui n'ont pas diminué tout l'impact de la zone donnée. Et à la suite de ce projet-là, nous avons décidé de faire de la sensibilisation vraiment au niveau des écoles primaires de Maurice et financées par la même institution pour qu'il y ait des jeunes commencent à comprendre qu'il y a des problèmes nous rencontrer au niveau de l'environnement marin et pour nous capables de diminuer nous en effet le lagon mauricien. Et nous avons aussi un projet de recherche, c'est-à-dire de monitoring du récif corallien. Nous avons été dans quelle zone au niveau du récif corallien et de corail est endommagé, quelle est zone que de corail qui est continue à régénérer. Et après, nous demandons d'activité, nous faisons un projet de sensibilisation à l'environnement marin dans les écoles publiques, toujours financé par la même institution. Là, récemment, depuis environ un an et demi, nous commençons à travailler sur deux autres projets qui est financé par l'Union européenne à travers la COI, la zone de Balaclava sur le parc marin, pour essayer de créer une politique de co-gestion de ce parc marin-là. Donc, c'est intégrer Dimoun dans la gestion de ce parc, tout Dimoun qui trouve autour du parc marin. Après, nous avons un autre projet, c'est un projet de créer des zones volontaires de non-pêche dans le lagon. Dans le lagon, au niveau de Trou de Douce, c'est un projet pilote, mais après, nous avons envie d'étendre ce projet-là sur d'autres zones à Maurice, au niveau de la zone côtière nord. De l'ONG, nous toujours c'est faire du monde prendre conscience de l'environnement marin. Mais au niveau d'une organisation non gouvernementale, nous faisons surtout de la ressource humaine. Souvent, ce qui nous fait, nous prenons un volontaire qui vient de nous lancer certains projets sur une durée des fois de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pour nous capable de sensibiliser et aussi être capable d'aider nous dans l'implémentation de projets. Et nous sommes aussi contents d'inviter les autres du monde pour venir renseigner les autres par rapport au travail qu'ils nous font. Parce que la problématique de l'environnement marin, la protection de l'environnement marin à Maurice, les concerne tout le monde. Les pas concerne justement du monde au niveau associatif, les concerne tous les citoyens mauriciens. Parce que si nous ne prenons pas en compte l'environnement marin, sur le long terme, c'est nous-mêmes qui pouvons payer les conséquences. Par exemple, nous trouvons avec une zone à Maurice quand on a l'érosion des plages. Si on a la plage, on a touriste. On a touriste, il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel, c'est moins d'argent qui rentre dans le pays. Donc c'est aussi moins de développement pour tout le monde. Donc c'est ça qui nous fait comprendre Dimoun, venez nous de ce combat-là parce qu'ils vont défendre nous-mêmes sur le long terme.